Le premier pays qui a à faire face à une épidémie en général a énormément de difficultés parce qu'il faut d'abord, dans un premier temps, reconnaître qu'il y a une épidémie et dans un deuxième temps, trouver le virus, si c'est une infection virale, et trouver son génome. Et tout ceci a été fait en Chine et je pense que c'est important de savoir que le génome a été identifié et transféré à la totalité de la communauté internationale. Ça, c'est très important. Le professeur Gorin estime que le professionnalisme dont fait preuve le corps médical chinois pour répondre à l'épidémie de Covid-19 reflète le rôle de la Chine en tant que grande puissance et mérite les éloges de la communauté internationale. Très très bon travail. Je pense qu'ils sont top, ils sont remarquables et j'admire et je le dis d'autant plus que tout le monde est dans mon cas. Les mesures efficaces prises par le gouvernement chinois pour la prévention de l'épidémie sont aussi prisées par un chercheur argentin, Juan Ventolino, selon qui les autres pays du monde doivent assimiler l'expérience de la Chine. Yo creo que China ha hecho un gran trabajo, esto hay que decirlo, es que Il est à noter que la Chine a fait un excellent travail en matière de prévention du Covid-19. J'espère qu'en s'appuyant sur les expériences de la Chine, les autres pays du monde prendront des mesures décisives, efficaces et organisées pour lutter contre ce virus hautement infectieux dans cette période spéciale. C'est très important. Si les autres pays agissent à l'instar de la Chine, nous n'avons pas à en avoir peur.